résistants parmi nous. Trouvez-vous normal la propagande covidiste, la manipulation mentale lamentable dont vos enfants sont les victimes, les proies idéales dans les collèges, lycées ou même encore primaires, maternelles? Si l'on m'entend dire cela, on me traitera d'irresponsable, d'inconséquente, mais en laissant faire ce que nos enfants subissent aujourd'hui, à savoir le masque aux plus petits dans les écoles, la propagande covidiste dans les manuels scolaires, la vaccination forcée des plus jeunes sous prétexte de les priver des sorties scolaires ou encore même de leur apprentissage. Qui sont donc les véritables inconséquents? Certainement pas nous! Je tiens à dire aujourd'hui, mes chers petits frères et sœurs, encore à l'école, au collège, au lycée, pour toutes les souffrances que vous endurez depuis cette folie sanitaire ou même avant, sachez que vous n'êtes pas seuls et n'ayez jamais peur de parler, car vos voix seront toujours entendues et on ne le dira jamais assez. La vérité sera...